Bonjour à vous mesdames et messieurs, suite de la série de Vest de Tryhard, dernier épisode de la semaine, nous sommes samedi. Bonjour Gaspo, comment vas-tu? Salut les 7, allez, ça part pour un full win. De win là? Bon non, de win ça devrait aller en 1476, je crois que c'est notre elo. On y va pour la première game mesdames et messieurs. Ah, 1476, ça commence à être des GC2, GC3 ouais, regarde, on a un en lion début en de saison. On a un lion. Ah, gagnant 8 tours de GC. Par contre, cette map, je la trouve stylée. C'est une nouvelle map et je la trouve jolie en vrai. Bon, évidemment, ouais, ils sont pas fait chier. C'est levé de soleil là, ça. Ouais, c'est ça. C'est sympa en vrai. Elle est chouette. Les couleurs sont chouettes quoi. Tu sais, je préfère qu'ils fassent ça, qu'ils nous mettent des vieilles maps ensoleillées ou dans la neige ou quoi. Ouais, mais bon, je préférais quand même des nouvelles maps. Ah oui, ça c'est sûr. Ah putain, ça m'agace quand ça part pas, putain. Pourquoi toi t'es pas d'accord avec Kedop qui dit bah pourquoi mettre de la pelouse alors que c'est Noël, faudrait mettre de la neige. Bah c'est vrai que c'est pas dans le thème du tout quoi. Enfin c'est un peu con. Mais après moi je suis aigri parce que je déteste les choses enneigées. Enfin j'aime bien quand il y a de la neige dans la vraie vie. Mais je déteste quand tu sais les jeux vidéo quand c'est de la neige ou les maps enneigées et tout. Ouais parce que ça te fait mal aux yeux. Bah non mais je trouve que ça enlève tellement de charme à... C'est beau dans la vraie vie parce que bah voilà c'est la neige et tout. Et ça rend de beaux paysages mais... Bah, à moins que ce soit vraiment dans la montagne et tout, mais là, un terrain enneigé, bon, bah, c'est juste blanc, quoi. Oh. C'est tout, hein. Ouais, pas de boost. Oh, mais salaud! You, cash. Cash. Give me some cash, bitch. Qu'est-ce que je suis mauvais. Get out of my car, man. Get my car, tu dis ça alors que tu t'as même pas joué à GTA 5, bref. Ah ouais, mais après je joue à San Andreas. Ouais. Get off my car, bah... San Andreas, meilleur GTA, non? Pas toi? Non, ça reste le 5 quand même, mais GTA San Andreas, ouais, excellent, excellent. Niveau histoire, c'est dur de faire mieux que GTA 5 et tout, niveau graphisme, historique, niveau tout en fait. À la tour Red Bull, j'ai eu bon une réponse, c'était GTA San Andreas, hein, comment il s'appelait le héros. C'est ça je le savais. Hein. C'est comment il s'appelle? CJ. Il s'appelle Carl. Carl Johnson. Ouais. Yo CJ. Ouais, c'est CJ. Mais c'est vrai qu'ils disent tout le temps CJ. Ouais. Putain mais toi c'est fou que tu sois passionné d'historique dans les jeux vidéo, que tu n'aies jamais joué aux jeux Rockstar. Genre, enfin tu n'es jamais joué, tu joues pas à GTA 5. Ah, par contre, je connais les détails des jeux Rockstar. Ok. Ouais, tu connais l'historique. Une de mes vidéos préférées de YouTube c'est. Attention tout détail à une Rockstar Game de Fun with Guru. Voilà. Ok. Qui est une vidéo anglaise où tu vois qu'en fait ils ont fait que quand les chevaux ont froid, les couilles se rétrécissent. C'est génial. Oui, de Red Dead. C'est génial de faire ça. Mais qui aurait pensé? C'est-à-dire qu'il y a un mec qui un jour il est venu au boulot, il a dit bon, aujourd'hui, mon boulot c'est de rétrécir les couilles. J'ai remarqué un truc sous la douche. Quand j'ai froid, mes couilles sont toutes petites. Ma femme me le fait remarquer et je me suis dit c'est un super détail à ajouter dans le jeu, non? Ah oui, exactement. Mais oui, c'est vrai que les jeux Rockstar ont une petite attention particulière aux détails. Et c'est ça qu'on aime. Même si, en vrai, moi j'ai jamais regardé les couilles d'un cheval. Ah oui. Du coup encore. Tu connais un peu les easter eggs des jeux ou pas du tout? Ça dépend de quel. Mais oui, moi j'adore les easter eggs. Par exemple, je connais l'easter egg de Trial Fusion. Ah ouais, l'énigme. Ouais, après tu connais parce qu'il y a Great Review quoi. Alors justement, je connaissais bien avant The Great Review qui fasse une vidéo. Ah ouais, c'était connu d'avant. Bah ok, je sais bien. Tiens pour toi. Justement, moi par contre, j'ai re-entendu parler de cette histoire il y a pas longtemps parce que j'ai vu que The Great Review, on avait fait une vidéo, mais pas sur sa chaîne à lui. Sur sa chaîne c'était sur MBG. Ouais. Mais je connais pas de Great Review. Non, ça fait longtemps que je connais cette histoire, hein, vraiment. Parce qu'en fait, moi à la base, j'aime beaucoup Trial Fusion. Je jouais beaucoup à l'époque à Trial Fusion. Bon, beaucoup, c'était une petite centaine d'heures. Hein. Et du coup, bah, t'en entends forcément parler, quoi. Oh. Mais moi, les... Oh, putain. Les easter eggs sur le zombie de Call of, par exemple. Trop bien. Ils sont bien, ouais. Vraiment trop, trop bien. Kinoder Toten, la map... Ça, c'est des trucs que... Ça, c'est des trucs que je regarde ce qui se fait, mais je vais pas les faire moi-même. Ah ouais. Moi, je me rappelle m'être fait chier pendant... Tu sais, comme les Red WoW... Il y avait l'easter egg de la map principale du zombie de BO3. Il est très compliqué et du coup je m'en souviens que pendant 2 mois avec une équipe, toujours la même équipe, on essayait tous les soirs. Et je crois qu'au bout d'un mois on avait réussi. Il est vraiment compliqué. Ouais, il est vraiment compliqué.
Tu m'étonnes que t'aimes bien le zombie de Cov, toi tu l'as vraiment spammé alors. Ah oui, moi j'ai vraiment spammé ça, ouais. Très fort même. Oh putain. Moi j'ai pu perdre le duel. Vas-y. Ouah, le flic. Ouais, dommage, ça finit pas dedans. Oh, je suis nul au vieux. Ah, il en reste 40 secondes. Peut-être la première défaite. Non. Oh, peut-être la première victoire. Ah, j'ai pas de boost. Ah, dommage. Putain, si j'avais genre 10 de boost en plus. Cher. Vas-y, flic-le. Allez, la série 1v1, la série 1v1. Ah, je l'avais à drip bump, mais il y a son pote. Putain. Ça arrive. Oh, je suis bump. Ah, putain, c'est chiant. Je peux rush. Ouais, peut-être open, hein. Open. Oh, non. Putain. Tu me fais peur. Je savais pas à quel point c'était open, si c'était close ou pas. Mais en fait, j'étais vraiment loin. L'autre était parti chercher notre boost. Ok, ah oui, d'accord. Putain, j'ai eu trop peur. Oh, mais non. Oh, le kick of goal. Oh là là, ils doivent tellement avoir le seum. Oh, ils doivent être dégoûtés, vraiment. Ok, je vais à droite. En plus, c'est un joueur Vita, il doit nous connaître. Ah oui. Oh putain. Que c'est abusé que j'ai streamé le soir, je me suis jamais fait autant reconnaître. Bah après à bas et low du coup. Bah les nouvelles saisons c'est toujours ça, les nouvelles saisons c'est toujours ça. Vraiment tout le temps. C'est la première game, c'était la première game, c'était pas la deuxième, je pensais que c'était la deuxième, mais ce n'est que la première mon cher Gaspo. Mais ça me fait rire à chaque fois quand ils disent « Ah putain je suis trop en stress, je peux pas jouer !» Oui, en stress là, merde, je me suis chié dessus là. J'ai le reset, c'est surprenant. Ah, je l'ai pro démo là. Attention, hein. Pas but ça aussi. Hop, ça clear. Allez. But ça. Ping. Oh, le mec, succès. C'est une dinguerie. Ok. Yeah. Oh, ils sont forts. Ces joueurs. Qu'est-ce qu'ils nous font? Oh putain. Alors j'aurais dû te dire de pas sauter. Ouais, vas-y, dis-le-moi. Saute pas. Connard. J'ai sauté. Connard. Oh, j'ai bump. Connard. Oh, putain, non, c'est pas but. 100% c'est pas but. Oh, c'est my bad, j'ai troll. J'ai voulu faire un pré-jump de l'enfer. Digne des plus grands. Alors que t'es tout petit, mec. Ouais, je suis tellement petit. Tellement une merde, en plus. C'est fou. Non. Oh non, je suis excellent. T'es un joueur LOL, je te le rappelle. Tu pourrais être excellent dans la vie, mais t'as tout d'excellent sauf que tu joues à LOL. T'avais une mec qui fait des blagues sur LOL alors qu'il connaît même pas. Ah bah c'est bien ça le problème, c'est que je connais, hein, j'ai essayé plus d'une fois. Non, t'as que essayé une fois. Mais j'ai pas essayé plus d'une fois. Mais oui, on a fait une vidéo ensemble, j'ai déjà essayé non, dans mon non, côté. Non, on n'a pas fait de vidéo, hein. On a fait un live. Un live, oui, bah c'est pareil. Il y a pas longtemps, j'ai réessayé parce que Axel m'a forcé. Ah ouais, t'as j'ai forcé dépusté. Quand même. Non, c'est de la merde. Pourtant, t'as aimé Age of Empire. Quoi. Bah ouais, Age of Empire, oui. Oh, c'est un peu le même style, tu vois, dans la façon de se battre. Pas du tout. Oh. Ah, je devrais le mettre instant celui-là, en fait. Oh, j'ai trop bien joué. Nice. Boom! Reset, wave dash à droite. Ah oui, putain! Non. T'as géré, ouais. T'as dû le surprendre. Je pense en plus, ça aurait été trop stylé si tu le fake. Ah ouais, qui est prêt, il part. Ah ouais, ça aurait été magnifique. Et là, t'aurais été là, like a boss, bro. Et là, bro. Je t'aurais dit, même si c'est un joueur League of Legends, ok. T'es vraiment un gros sexe, là. Ouais. Alors, je peux pas. Dégage. Bien joué, ça. Oh, wow, je mettais ça aurait été très surprenant. Prêt jump mon gars. Viens là. Pour toi. Mais non. Oh. Oh putain. Oh. Oh, je t'en fais le cycle. Il n'arrivera pas hein. Ah il oh attends. Double. Il est marrant. Il est vraiment marrant. Putain. Il m'a up genre. Hop. T'as pas eu le reset sur lui? Non, je crois pas non. Ah t'as pas essayé?
Non, j'ai même pas essayé, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même un roue de haut gauche qui était pas. Je suis pas vraiment mon cœur. I don't think faux. Je vais fake. Vas-y, vas-y. Oh, le reset. Oh, il a que dans le corps. T'as vu reset ou pas? Non. Ça fait le bug. Ouais, le bug, ouais. Ah, attends, j'ai pas de doute. Psycho. Mais. Dommage. Ça bute. Grâce à mon Psycho passe. Il fait du bruit là. Oh, dommage. Ah non, c'est vraiment des gosses que j'entends en fait. Il y a un gosse qui pleure dans la laverie et tout. Ouais, ah, bah ouais. Ok, à toi mon cher Gasoil. Ah, Iben. NP. C'est vrai qu'ils ont fait un move chelou, hein. Qu'est-ce que c'était que ce truc de con, là? Oh, c'est squishy. Comment c'est parti à droite, là, putain? Ah. Vas-y, fake. Ouais. T'as raclé le sol, c'est une dinguerie. Oh, c'est le but, hein. Bah, il loupe. Ok, ok. Le tour dans le but m'a fumé. Il a fait un tour dans le but? Ouais. Un rond-point. Je vais à gauche. Allez Philippe. Oh, Breezy, dommage. Breezy shot. Pas compte. Hop, clear. Clear shot. Frappe shot sur le mur. Et boom shot, but shot. Pour toi? Oh dommage. Oh putain, et il m'a plaqué au sol, il m'a fait faire une fast recovery, j'aime bien. Hop, ça dégage. Dégage. Ok. Vas-y, ouais, défend, ouais. Ouais, nice. Belle défense. C'est insupportable comme adversaire. Ah ouais. Oh, regarde, il a arrêté de jouer. En vrai, les en gars. En vrai, j'ai... les gars, j'ai. Ouais, en vrai. En vrai, allez, ouais. En vrai, en vrai. J'ai... En vrai, là, c'est bon, y'en a marre. C'est votre vrai rang. Ah. Ah, ils ne connaissent pas, en fait. Ah, ils ne connaissent pas. Je pensais, vu son premier message, qu'ils nous connaissaient. Ouais, qu'ils ne sait, ouais. Genre, en vrai, les gars. Puisque Freestyler et Philippe Rizet, ils comprennent qu'on est français. Oui, je pense. Philippe Rizet. Oh, il dit que c'est nous. D'ailleurs, demain, épisode, nouveau pseudo. Oh. Oui, c'est vrai. Bah, pas demain, du coup, mais lundi. Enfin, ouais, lundi, ouais. Prochain épisode, quoi. Oui, bah, t'as vrai que tu dis de la merde. Ouais, c'est vrai. Tu dis de la merde. Tu fais de la merde tout le long de ta vie, en fait. Non. En fait, moi, je veux bien leur répondre, mais faut que je switch mon USB et tout, là. J'ai la flemme. Ah non, me réponds pas. Mais attends, c'est pas gagné, ça. Bah non, c'est perdu, en fait. C'est quoi leur rank à eux? On va peut-être qui poser la question inverse. Oh, j'ai. Kick of goal. Oh, je suis nul au jeu. Jamais back right. Oh, je l'ai pas bum, genre. Ça sent le but, là. Oh, il rate. Attention, il va centrer, hein. Quel centre, hein. Quel centre. Ah, tu veux marche arrière? On joue marche arrière? Non, non. Alors là, non, pitié. Ok, je marche arrière. Encore un mec qui va dire le N-World et tout, là. Allez, checker la deuxième vidéo, je crois. C'est la deuxième. Oh, je peux pas le bump. T'es dans la merde. Après, oui. Il rate. Bah, attends, je vais leur répondre puisque Gaspo les ignore. Bah oui, moi je réponds pas. C'est D7 et Gaspo. Gespo. Ah oui, Spou. Ça se trouve, ils nous connaissent pas, hein. Bah oui. C'est là, permets-moi de te dire que moi je suis GC2 hein, la saison dernière. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Sa réponse sera l'outro. B, bien vu, ok. Eh ben merci. Il est dépité, le mec est dépité, c'est sûr, c'est un mec comme Nox. Toi. Ah oui, c'est là. Ah, bien vu, putain, merde. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette première semaine de la série Tryhard avec Gaspo. On se donne rendez-vous bien demain pour une nouvelle vidéo concept qui devrait pas mal vous plaire. Vous allez voir, ça va être une petite vidéo assez particulière. Et on se donne rendez-vous lundi pour la suite de la série Tryhard. Des bisous, ciao.